Voilà. Dany Martin, bonjour. Alors, présidente de l'association Trade Union, vous êtes lancé un projet qui s'intitule Tine Dièse. C'est quoi le projet Tine Dièse? Bonjour. Tine Dièse est un concept qui est né entre Gérard Louis et moi-même. On a vu que la musique tend à se lisser dans tous les sons indiens et on s'est dit qu'il faut défendre un petit peu notre musique longtemps. Nous ne sommes pas contre que la musique évolue, la musique change. Au contraire, on est pour. Mais on a ce petit côté de cœur, on dit notre patrimoine quand même, c'est nous. Donc cette idée de Tine Dièse est née avec Gérard Louis et on s'est dit bah, qui de mieux que des jeunes âgés entre 11 et 17 ans pour porter la voix, les voix des mémoires vivantes du passé, que ça reste pas derrière nous, mais que ça continue à vivre. Et qui de mieux que les jeunes, bien sûr, pour présenter ça, Francky. Voilà. Aujourd'hui, on est aujourd'hui lancement, mais combien de temps déjà? Combien de temps de travail déjà derrière? Alors, depuis début 2020, on a eu l'idée. Le confinement nous a un peu ralenti. Gérard a monté le groupe Tine Dièse Réunion, bien sûr. J'y suis allée, j'ai fait des allers-retours aussi, pour choisir les jeunes notamment. Et ensuite, bah, nous avons monté là depuis 2022. On a lancé un appel à candidature pour trouver des jeunes à La Réunion, âgés entre, je disais, donc 11 et 17 ans, pour chanter. Donc on a fait une sélection et nous nous sommes arrêtés sur 4 jeunes pour représenter Tine Dièse Réunion. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est, on va dire, le summum pour nous, puisque c'est la réalisation et on a pu mettre en place Tine Dièse Réunion. Avant de continuer dans les autres îles de l'océan Indien. Oui. Bien sûr, les jeunes Réunion, de la Réunion vont continuer à chanter d'autres chansons. Ils vont aussi écrire une chanson bien à eux, ces jeunes de la Réunion, pour mettre dans le goût du Sega, de la musique locale. Mais on va aussi faire la même chose aux Seychelles, à Rodrigue, à Maurice, et enfin voilà, dans toute la zone océan Indien, Madagascar notamment, dans tout l'océan Indien, de manière à ce que chaque île ait son groupe Tine Dièse, et en plus un jour, j'espère, voir tous les Tine Dièse sur la scène du théâtre de Saint-Gilles, pourquoi pas. Ouais, ça c'est une excellente idée. Alors autre chose également, il y a de l'accompagnement, notamment Michou qui est la marraine de cet événement, et puis d'autres artistes également qui se sont collés à cet événement. Effectivement, nous avons beaucoup d'artistes confirmés, on va dire qui connaissent un peu, hein, qui ont de la bouteille, qui sont derrière nous. Michou est la marraine à La Réunion depuis un moment, à Maurice Rasnati Baby. Par exemple, nous ici, c'est Michou qui nous soutient, qui est derrière nous. Les jeunes ont appris à chanter avec Micheline Picot. Les jeunes ont chanté avec aussi Laurence Beaumarchais. Donc on a des gens derrière, donc là David Luisin, Jean-Pierre Boyer, bien d'autres encore que je ne pourrais pas tous citer. Le groupe Lumière, nos nouveaux groupes. Qui ont Coranti, qu'on en salue. Oui. Exactement, je sais, les Johnny et son équipe. Donc voilà, donc tous ces gens sont derrière nous pour soutenir. Et puis bien sûr, je remercie vraiment tout le monde. Gérard Louis, bien sûr, Brian Charles qui est là, qui vient de Maurice avec nous. Monsieur Rabat, consul de Maurice, qui est là avec nous aussi ce matin. Monsieur Cyril Melchior qui s'excuse de ne pas être là. Bon, il a été retenu. Titi Balaka, en retard, mais Titi Balaka était là aussi. Mon vice-président, Titi Balaka, mon vice-président, très en retard, mais présent, mais présent. Et puis Thierry Arraï qui est derrière nous, et Jean-Claude Coindin. Je citerai aussi Milien Germinal. Je citerai aussi Radio Métissage, qui est là avec nous. Donc, Radio Force Métissage, on me le dit. Et ensuite, bien sûr, nous avons Francky de Radio Freedom, bien sûr, qui fait le top, qui fait le buzz avec nous. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Dany Martin. Parfait.